Hi everyone, tonight French video because I don't want to bug my language, you know, so it's French tonight. So, salut tout le monde, à soir j'étais avec mon chum Nick, ici. À soir ce qu'on fait c'est que, comme vous le savez, j'ai reçu mes roues, la semaine passée je les ai rimées. D'ailleurs, merci beaucoup Nick pour ça, parce que c'est grâce à lui qu'on a rimé ça, on a fait ça à sa job. Cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai roulé le char pendant peut-être une semaine pour tester le fitment, voir si ça frottait, checker le height, les routes du Québec, tout ça, vous le savez comment que c'est. Ça a laissé le temps aussi à la suspension de se taper. Fait que là, ce qu'on fait à soir, puis ce que j'ai bien hâte, c'est qu'on ajuste le fitment un peu mieux. On va enlever les bacs d'ajustement en arrière. On va laisser juste le spring. On va assurer ça. Vous allez tous voir ça dans la vidéo. Puis, en avant, je le sais que le fitment n'est pas encore parfait parce que ça me prend des top plates ajustables en camber que j'ai pas reçus encore, que je vais pouvoir assurer le devant un peu plus bas, rentrer les roues dans les ailes, puis là, le fitment va être bijou. Fait que là-dessus, c'est ça. Bon vidéo, les gars. Bon. Fait que le spring du coilover, il est enlevé. Fait que mon plan, c'est de garder l'assise le plus originale possible, comme ça a été conçu. Enlever les deux bagues d'ajustement, puis remettre la lock bag, ben la bague de serrage, là, comme le contre-écrou, avec le petit bushing pour l'anti-squeal. Dans le fond. Fait qu'on va gagner là, à peu près comme si j'avais droppé l'ajustement de peut-être la moitié des filets. Fait qu'on, d'après moi, on va gagner à peu près là, un demi-pouce, entre un demi-pouce, trois quarts de pouce de rabaissement de plus. Puis c'est exactement ce que ça me prend. Fait que j'ai bien hâte d'avoir ça. Fait qu'on fait ça, puis je vous reviens. Les springs sont installés, il reste juste à torquer la boat qui va dans le link kit, qui passe dans le link kit, qui va dans le bottom bushing du chuck. Ces boats-là, c'est des stretch boats, on les remplace tout le temps à chaque fois qu'on fait un job. Fait qu'on torque ça à 80 livres à pied. Après ça, on drop, on a le résultat final, puis je vous reviens. Nice.
Je pense que mon sourire a dit long. Check it, ça, les gars. C'est perfect fitment pour le Québec, ça, man. Bon, me revoilà. Fait que la job est faite. Nick est parti. On travaille tôt demain matin. Fait que on a fini ça. Là, je me suis rendu compte de quelque chose. Puis peut-être que vous allez pouvoir me dire si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Imaginez-vous donc que moi j'ai des Birkenstein PSS9. Puis il y avait ces deux bagues fucked up là en arrière. Entre le socle puis la bague d'ajustement. Fait que ceux qui ont déjà roulé des PSS9, là, dites-moi non, si ça a rapport là ou ça n'a pas rapport là. Moi, je pense que ça n'avait pas rapport là parce que c'est pas le bon filet. Là, cette roue lock pas. Fait que c'est comme bizarre. Ça expliquerait peut-être pourquoi que mon cul était trop haut sur le char. Fait que bref, je suis bien satisfait du fitment pour l'instant. Il va rester, comme je vous ai dit tantôt, à ravoir mes plates ajustables en avant, solides. Ça va beaucoup améliorer la conduite. C'est cool. C'est un bel upgrade à faire sur MK4, que tout le monde devrait faire d'ailleurs. Fait que dans le prochain vidéo, ce qu'on va voir probablement, ça va être la restauration de mes headlights Euro, Black Housing, pour fitter le... avec la grille au centre. Ces lumières-là, je les aime pas vraiment, je vous avouerai. Là. Donc, le vidéo d'après, ça va être la restauration du pare-choc avant. C'est le seul dernier morceau du puzzle pour cet été, présentement. Je vais avoir aussi les fittings AN à refaire ici, que je trouve un peu ghetto. Là. Mon chum Nick, il arrête pas de me bugger avec ça. C'est vrai que c'est fucking laid. Après ça, ça va être pas mal ça pour cet été. J'ai une grosse saison de course de quad aussi, qui est commencée d'ailleurs. J'ai une course samedi. Puis, je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Je vais pouvoir aussi vous shooter des vidéos. Je vais faire des clips là, à mes courses sur mon magnifique bike qui est là. Donc, c'est pas mal ça. Là-dessus, ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Ouais. Fait que juste avant de vous quitter, je vais vous le montrer une dernière fois. Parce que c'est quand même cool pour vrai, pour des roues OEM, là, Vaux. Je trouve ça fucking nice, le fitment, sur un body 4. C'est genre les specs parfaites. So, guys, you know where to get skills. Keep on watching.